Et salut à tous les amis, on est reparti sur une carrière suivie. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Donc j'ai retrouvé une carrière, j'ai retrouvé une map pour pouvoir faire l'extrême production. Donc par contre, les champs qu'il faut, les champs qu'on doit acheter en fait, il faut les labourer pour pouvoir faire nos champs. Parce qu'ils sont pas encore ils sont en fait c'est de l'herbe, donc il faut les transformer en terre pour pouvoir faire les cultures. Donc je vais devoir faire ça. Je vais faire le premier épisode comme ça avec vous pour vous faire la présentation, mais après après je vais être obligé de le faire en off parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Donc je ferai ça tranquillement en off. Bon, ça va pas être super droit, je vais essayer de faire mon maximum. Maintenant je suis en train de faire les délimitations des champs. Bon là pour l'instant je vais devoir abattre tous les arbres qui sont là pour pouvoir pour pouvoir agrandir encore plus. Bon, là pour l'instant on va faire comme ça, on n'a pas le choix hein. on va rester comme ça. Donc je vous mettrai la map dans la description. C'est un nom imprononçable encore. Bon pour l'instant, encore une fois pour l'instant, j'arrête pas de dire pour l'instant, j'ai cheaté sur l'argent pour pouvoir acheter le matériel et tester la map. Là c'est juste une présentation avant le premier épisode. À mon avis je vais faire une... Là ça va être une carrière suivie un peu cheatée. Pour pouvoir avancer un peu plus vite sur la carrière, parce que je trouve que j'avance pas assez vite quand je suis pas cheaté. Donc, après dites moi dans les commentaires s'il faut vraiment que je fasse ça ou pas, si ça vous intéresse, et si pour vous ça vous dérange pas que je triche un peu sur l'argent. Bon, là j'ai juste triché un petit peu, j'ai acheté aucun champ. J'ai juste acheté la charrue là et le tracteur pour pouvoir être tranquille au niveau de la création des champs pour aller un peu plus vite, parce que sinon ça va être un petit peu long. Voilà, pour l'instant on va faire ça comme ça et je prendrai une plus petite charrue après pour faire les modifications. Je peux pas embaucher d'ouvriers pour faire ça, c'est un peu bête. C'est parti. Donc voilà, je fais la création des champs. Peut-être dans les autres carrières aussi j'ai des champs à relier, je sais pas, je verrai suivant ce que je fais. J'essaie de faire au mieux et de gagner un maximum de terrain. Après je ferai les modifications avec l'herbe, replanterai de l'herbe pour pouvoir refaire les choses au carré. Ouais, je vais faire comme ça les trucs à l'arrache. Voilà, le con, je fais le contour du champ et après ça c'est un peu chiant les arbres là. Et après voilà ce que je vais faire avec le semoir, je vais replanter de l'herbe parce que là j'en ai pour un bout de temps à faire ce champ là. Il est immense. Donc je referai les modifications avec le semoir, avec de l'herbe. De toute façon je vais pas avoir le choix, je suis obligé de faire ça un peu vite. Je sais pas pourquoi le modeur il a fait des champs en herbe. C'est peut-être pour pouvoir labourer, se servir un peu plus des charrues en fait, parce qu'on ne s'en sert jamais dans farming. Tout droit, c'est bon. Donc voilà, ça va être une production extrême sur les grains. Il y a la ferme, hein, il y a les vaches, les cochons, les moutons et les poules. Il n'y a pas de veau.
Je vais faire que la céréale, que les céréales en fait. Je vais aussi me servir du course play, bien sûr. Le course play est mon favori, c'est mon, on va dire, c'est mon multijoueur à moi, puisque comme je vous ai déjà expliqué, ma connexion est tellement pourrie que je peux même pas, je peux rien faire au niveau d'internet. Et avec 1 méga, vraiment, je suis un peu dégoûté. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon, je fais avec, hein, et j'ai pas le choix. Le jour où j'aurai une meilleure connexion, j'essaierai de faire un maximum pour vous. Mais là, je ne peux vraiment pas, je suis vraiment désolé. Voilà, on a déjà fait un tour. J'avais fait déjà la bande là pour tester avant de commencer la vidéo. Donc en même temps, bah, ça fait un peu de conduite. Bon, c'est bête que je peux pas embaucher un ouvrier, comme ça aurait été beaucoup plus vite. Mais quand on crée des champs, on peut pas embaucher d'ouvriers, ça c'est un peu chiant. C'est pas grave. Hein. Donc on commence la création des champs. Comme je vous ai dit dans l'épisode de la ferme des animaux sur Farm 15, je vais essayer de faire un maximum de choses pour vous. Parce que là, la chaîne elle est en train de s'endormir. Je vais essayer de faire plusieurs jeux. Je vais rajouter SimCity sur ma liste. C'est bien ça, hein. Ouais, SimCity, le dernier. Enfin, le dernier. On va rajouter SimCity. Je vais essayer de faire un maximum et pour avoir un peu de jeu de simulation, pas que du farming. Eurotruck, je le fais pas parce qu'il y a déjà beaucoup de monde qui le font. Enfin, tout le monde fait beaucoup de choses. Et moi, après, je vais me caler sur des jeux où j'aime bien et que je connais, parce que SimCity, faire que de la conduite, c'est bien, mais c'est chiant en fait pour moi, hein. Après les gens ils pensent ce qu'ils veulent, mais Eurotruck, faire de la conduite tout le temps, c'est un petit peu chiant. Et ce qu'il faut faire, c'est faut être bavard, et moi je suis pas trop bavard en fait. Vous avez dû remarquer dans les vidéos que je parle pas beaucoup, mais bon, c'est pas grave, ça fait... Ça va venir, hein. J'arrive toujours pas. Il faut que j'enlève ma timidité. À mon avis, ça va venir tout seul. Hein. C'est juste. C'est pas grave. Hop. Même comme ça, j'arrive pas. Il y a du mal à braquer avec la barre. Enfin, avec la charrue. Au final, ça va un peu vite. Donc dites-moi aussi dans les commentaires si le son du jeu est assez fort. Ça, par contre, je sais pas. Et voilà, c'est tout. C'est déjà pas mal. J'essaie de vous trouver des maps à peu près correct et assez joli pour pouvoir faire ces vidéos, parce que c'est pour ça que j'ai mis beaucoup de temps à trouver, à commencer les vidéos sur FS15. C'est parce que je trouvais pas la map, voilà, si je fais tout le temps la même chose, ça va plus faire. Je trouvais pas la map qu'il me fallait en fait pour pouvoir faire les productions, pour recommencer les vidéos sur FS15. Mais maintenant je crois que j'ai trouvé. Et au fur et à mesure, les modeurs ils commencent à sortir des maps assez correctes pour moi. Bon, je suis un petit peu difficile, hein. J'ai pris quelques, enfin j'en ai pris plusieurs déjà, et elles sont pas mal. Bien sûr, je vais pas abandonner FS 2013, je vais pas l'abandonner, je vais continuer, parce que les carrières subies que j'ai commencé, je vais pas les terminer, mais je vais les... Une carrière suivie, pour moi ça se finit pas, c'est toujours suivi, et il y a toujours une fin, il n'y a pas de fin en fait, hein.
Bon, il y a des carrières suivies que j'ai abandonnées parce que j'ai eu des problèmes et du coup ça a tout fait planter et puis j'avais rien pour récupérer tout ça. Par contre, les amis, je vais juste faire une petite ellipse, je vais chercher un petit peu à boire. Donc, à tout de suite. Ouais, donc voilà, je suis reparti. Alors, plusieurs projets sur cette carrière suivie. Beaucoup, beaucoup de production. Du course play. Alors, ça sera de la vente directe, hein, comme je vous ai expliqué sur les autres. Sur les carrières. Sur l'autre carrière précédente. Ça sera beaucoup de ventes directes parce que le. Comment dire, comment j'utilise le course play. Ok, c'est bon. Comme j'utilise le course play, quand on passe sous le silo, il faut toujours sélectionner ce qu'on veut vendre. Et en fait, c'est un peu chiant avec le course play puisque il faut toujours aller voir où est-ce que. Enfin, peut-être qu'il y a une solution, je vais essayer de trouver. Et je vais aller voir ça. Je vais essayer de trouver. Si ça fonctionne, je ferai du stockage. Ouais, j'ai des problèmes avec mon micro. Donc si ça fonctionne, je ferai du stockage et puis je ferai le cosplay au fur et à mesure de vente. Mais là pour l'instant, je vais faire de la récolte et de la vente directe. Je vais pas utiliser des. Je vais pas utiliser trop de grosses machines, je pense. Pour avoir ce petit angle là, hop, je vais pas utiliser de grosses machines. Je vais faire aussi beaucoup d'ensilage parce qu'on n'en fait pas beaucoup de l'ensilage. Voilà, qu'est-ce que je fais. Donc je vais faire beaucoup d'ensilage parce que l'ensilage j'en fais pas beaucoup et ça sera pour changer un petit peu. Je ferai tout avec le cosplay. Pareil, la vente, je vais essayer de faire un peu d'animaux, mais bon. Ça sera vite fait, hein, je pense, je sais pas encore. Mais pour l'instant, ça sera surtout la grosse production de grains. Donc ça sera maïs, colza, blé et puis orge, pommes de terre aussi, on va faire les pommes de terre et betteraves. On va faire toutes les productions de toutes les semences qu'il y a dans le jeu d'origine. Parce que pour l'instant, c'est pareil, j'ai toujours pas de. J'ai toujours pas de mode qui font le multifruit. Donc dites-moi aussi dans les commentaires ou faites-moi partager des liens où vous avez des moissonneuses sur FS15, parce que sur FS13 je les ai déjà presque toutes. Des moissonneuses multifruits, ça m'intéresserait beaucoup puisque j'ai trouvé des maps multifruits mais j'ai pas les machines, donc c'est pas très intéressant. Et faites-moi partager, ou alors dites-moi comment on fait pour modifier les modes, hein, pour pouvoir les adapter en multifree. Ça serait super sympa. Moi c'est ce qui m'intéresse beaucoup, c'est pour pouvoir faire le multifree et pas faire tout le temps la même chose. En fait, faire tout le temps la même chose, ça va 5 minutes, mais faut changer aussi. Par contre, je sais pas le temps que la vidéo va durer, parce que là ça a l'air d'être assez long en fait. Je sais pas comment je vais faire.
s'est remis en normal. Ok, donc bah, je suis obligé de le faire à la main. Enfin, je suis obligé de le faire en conduisant. Et vous voyez, on peut pas le faire en créant des champs. En même temps, c'est un peu logique pour pouvoir. Sinon, il traverse toutes les maps. Et il arrache tout, il modifie tout en champ. Donc, c'est logique. Ouais, ce que je vais faire en attendant, je vais déjà lancer les machines pour pouvoir faire déjà les courses play. Donc je vais garder pour l'instant ces machines là. Elles sont déjà avec la map. Hein. Là, pour l'instant j'ai rien de. J'ai rien racheté, j'ai rien fait. C'était déjà avec. Donc là il y a. Ah oui, pour la présentation de la ferme, je vais faire tout ça après. J'ai déjà du stockage ici. Bon, pour le stockage, c'est un peu chiant. Je ne sais pas trop où je vais là. Donc pour la présentation de la map de la ferme. Là il y a la stabule. Là il y a une machine, je ne sais pas à quoi ça sert. Ça fait quoi si je me mets à côté? Ça clignote en rouge, donc ça veut dire que normalement il y a quelque chose. Et si je me mets à côté, on devrait trouver quelque chose. Oui, il y a un niveau et tout, donc. Ah voilà. Ah c'est. Ah c'est pour faire un mélange avec tes betteraves. D'accord. Faut mettre les betteraves là-dedans. D'accord. Je suis monté sur le tracteur exprès. Je peux pas aller plus haut. Oh dis donc, ça a l'air assez complexe. Hop là, on va monter sur le mur. Hop là. Je peux pas voir un peu dedans. Bon c'est pas grave. Donc là il y a les semences, les engrais, bah la citerne le gasoil, le silo que vous connaissez déjà. Ça c'est le pré à moutons. Avec le tablier pour les palettes de laine, ça je le ferai. J'ai pas fait beaucoup sur FS13, je vais essayer de le faire sur FS15. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah le poulailler, comme d'habitude. Là c'est le silo. Ah, les silos ils sont un peu chiants. Donc là c'est. Hop là, on est juste en dessous. Le tuyau pour. Ouh, c'est mal modé ça. Bon, c'est pas grave. Le tuyau pour faire les. Pour remplir les bennes. Hop. Par ici. Encore la machine. Ouais, ça c'est les cochons. Donc. Ok. Les cochons, après de l'autre côté. Ah par contre ça je sais pas si ça fonctionne, il faudrait que je regarde. De l'autre côté, pardon, on a le silo pour. Enfin le silo. Le stockage pour les copeaux de bois. Les betteraves. Tac. Et les pommes de terre. Après il y a la maison du patron. Voilà. Donc. Voilà. Bon, il y a pas mal de champs. Ça, on verra au fur et à mesure de la visite. Enfin, de la visite. On verra ça au fur et à mesure de. Bah, de. Comment on va visiter. Façon de parler. Hein. Comment on va tourner sur la carrière.
Donc je vais déjà lancer cette machine. Si je me trouve un champ, il y en a un là-bas. Les champs sont super grands, donc c'est en même temps, enfin super grand. Oui et non, ils sont assez grands, on va dire. Donc c'est aussi ce que je recherchais. C'est une map avec des champs assez grands pour pouvoir faire l'exploitation. Une exploitation assez vaste, enfin assez grande, on va dire ça comme ça. Donc j'utilise les chemins hein, parce que on a des chemins, on va en profiter. Donc ça c'est du maïs. On va prendre le maïs, on va faire l'ensilage. Voilà, on va prendre ce champ là. J'espère qu'il va pas y avoir de problème. Parce que moi, en ce moment, je suis le roi des problèmes. Donc là, à mon avis, l'arbre qui est là, juste derrière la moissonneuse, il va gêner. Donc on verra ça. Ah, il faut des piliers. Allez, c'est parti. Déjà tac tac tac, il veut pas, sont pas mal, le blé est pas mal modé, franchement peut-être que cette carrière suivie va être assez agréable. Donc alors ça c'est la charrue, allez on est parti avec celle là on va commencer le course play. Je vais regarder où est-ce que c'est vendu le plus cher. Alors, toujours se mettre derrière les arbres, ça c'est ce que j'ai appris au fur et à mesure, parce que sinon il y a un gros problème avec les courses. Donc c'est parti, alors c'est le champ 1, on va vérifier ça, oui c'est le champ 1 et on va regarder où est-ce que le blé est vendu le plus cher. Donc comme vous voyez aussi là, hop, le temps de jeu. J'ai déjà 41 minutes de jeu. C'est vraiment que j'ai pas triché. Voilà, alors le champ. Là où c'est vendu le moins cher, le plus cher, parce que le moins cher c'est pas très intéressant. Au niveau du blé, c'est Altmulch. À 1291 euros, bon, ça restera comme ça à mon avis, les prix vont être assez stables de toute façon. Allez, on va aller là, je sais pas du tout où c'est, on va voir ça tout de suite. Bah, c'est à l'opposé,
D'accord. Donc je suis à l'opposé de la map. Toc toc. Comment je vais faire pour y aller? Peut-être que là, j'aurai le plan beaucoup mieux. Il faut passer comme ça. Ok, donc on va aller passer comme ça. On va passer devant la BGA. Ouais. Où est-ce que... Bah voilà, nickel. Tout ce qu'il me fallait. On va passer dans le village pour visiter un petit peu. Ok, c'est parti. Là, faut le mettre en route. Tac. Alors, je vais essayer de faire des passages dans le même sens pour tous les tracteurs. Ça, c'est un peu moins évident. Mais je suis obligé de le faire. Donc là, ça sera la sortie des champs. Allez, on va partir par là. Donc ça sera aussi beaucoup de course play sur cette carrière, comme d'habitude. Faut que je regarde parce que par rapport au tournant. Voilà, de toute façon il faut redescendre. Il faut que j'oublie de passer à la station. Ça, la station. De toute façon, c'est automatique. Parce que là, il va y avoir pas mal de routes à faire à chaque fois. Chaque transfert. Bon, si vous voulez au milieu de la route, ça va pas le faire au milieu des croisements. Là, il faut que je tourne à gauche. Gauche, droite. Non, c'était à droite. Ça, à chaque fois, c'est la même chose. Je me perds, comme d'habitude. Le GPS est à l'envers. Je vais reprendre par là. Hop. C'est pas évident de conduire avec le... Voilà. Allez, on repart par ici. Ok, c'est bon. Donc là, c'est la BGA. Bon, on verra ça au niveau de l'ensilage de toute façon. Il faut voir ça au fur et à mesure. Après, on va prendre la gauche, comme du coup. Oh, les coups de lag. Je suis désolé pour les coups de lag, je ne sais toujours pas ce qui se passe. Depuis que j'ai mis FS15, j'ai des coups de lag. Je ne sais pas vraiment comment ça se fait. Par contre, là, j'aurais dû tourner à droite, à mon avis. Ouais. Pas évident de faire une marche arrière avec cette remorque, mais du coup je vais faire ça un petit peu comme ça. Je reviens en arrière. Ah ben, désolé les amis si je suis un peu bourrin. C'est le début de la carrière. Comme vous savez très bien, j'ai du mal à démarrer à chaque fois. Commencer les cosplays à chaque fois, c'est un peu chiant ça aussi. On va passer à la station.
si on la fera au retour. Je vais pas couper la route. Alors, là, on va passer dans le village. Ok. Même si dans la vraie vie, dans la vie réelle, le tracteur n'a pas vraiment le droit de passer dans le village. Non, c'est quoi ces gens-là? Donc là à mon avis tous les champs ils sont en herbe aussi. Ça va être super long à commencer, enfin à commencer à faire la carrière. Donc c'est pour ça que j'ai pris de l'avance sur les ventes. Enfin, je vais prendre de l'avance sur les petits pets. J'aurais dû prendre un... Je me perds. Hein. C'est incroyable. Plutôt que... Bah non, c'est bon. On va partir comme ça. On va partir comme ça. Et on va redescendre après. Ouais, tous les champs sont en herbe. Donc vraiment je vais m'amuser à faire à labourer tout ça. Mais comme vous voyez les champs sont assez grands. Et ça fera partie de notre charge de travail. Enfin de ouais. De ma charge de travail à labourer tous les champs. Labourer tous les champs, je sais pas. On verra comment je vais faire. Et donc là, on va partir à droite. Oui, c'est ça. Je vais essayer de faire du... J'ai essayé aussi de faire des copeaux, comme j'ai dit dans l'autre carrière. Je vais essayer de faire pas mal de choses et je vais essayer de les réaliser, c'est ça c'est ça, ça va être ça le principe, ça va être de réaliser tout ce que je dis. Bon, ça va être un peu difficile mais il va falloir le faire de toute façon. Essayer de bien le prendre. On va faire bien pour les croisements. J'ai pas trop de problème. À mon avis là il y aura qu'un passage de tracteur sinon. Ça va faire des bouchons. C'est pareil, à mon avis je ne pourrais pas prendre de camion sur une remorque. Cette carrière, puisque ça va être assez court. C'est assez juste au niveau du passage. De toute façon, je vais réduire au fur et à mesure. Voilà. Alors, on est reparti, on retourne à la moissonneuse. Qui, à mon avis, doit être pleine.
fait il va falloir deux bennes pour ça. Ou trois. Je sais pas encore. J'ai créé déjà des décorpets pour les deux champs que je vais récolter au niveau des maïs doublés et je sais plus quoi. Donc là ici à droite c'est le magasin. Il est assez moderne le magasin. Ah, mon petit village il est pas trop mal. Ça pourrait être beaucoup mieux. Non, on ne peut pas tout avoir. C'est du pas très délicat. Je ne sais pas pourquoi il y a des gens qui marchent ici. Ah, c'est bizarre. La station ici, du coup je vais devoir écraser des gens, c'est pas grave. Comment je peux faire? D'accord, je vais passer par là ici. Ouais, les gens ils ont fait un parcours en fait, enfin le cosplay, le moteur il a fait un parcours avec les gens et c'est pas terrible. Au niveau du Karcher, ah c'est bête. Ça fonctionne pas. Du lavage. Je cherchais une map avec un lavage pour les véhicules, mais celui-là il fonctionne pas. C'est pas grave, ça va venir petit à petit. Tant que le moteur transforme tout ça. Il y a une maison qui a commencé à construire. Voilà, dans la gauche. On va acheter le panneau. C'est pas grave. Dans le bon sens, j'ai pas de problème. Si je vais tout droit. Voilà, on va aller à gauche, à droite, pardon. Ah, j'ai du mal avec la gauche et la droite. Tourner dans le même sens. Après à gauche.
Et attendez, parce que là, on va me repérer. On va passer comme ça. Course peut terminer. C'est parti. Alors, tac, tac, tac. Démarrer. Je vais faire le réglage. Ok. Donc je vais marquer Ben Champ. Champ 1, par contre c'est vendu. On est ici. Déjà. On va dire. C'est Alt. Donc je ne peux pas trop marquer. Je vais marquer Alt. Ça. Voilà. Premier course play. Je ne sais pas ce qu'il fait. C'est bon. Donc je vais acheter un nouveau tracteur. Une nouvelle benne. Alors. Est-ce que j'en ai en modé? Je vais regarder cette fois si ça fonctionne. Est-ce que j'en avais pris en modé? Mais je crois qu'elle ne fonctionne pas. Plutôt que... On va voir si celle-ci, si elle fonctionne. Bon, on va la prendre en blanche. J'aime bien blanc. Voilà. Et en tracteur, qu'est-ce qu'on a de nouveau? Il y a celui-là, celui-ci aussi. Alors, je vais prendre des petits tracteurs pour faire les ventes. Celui-là, il est pas terrible. Bon, il n'est pas cher, c'est bien pour les corps de ferme. Celui-ci, ça sera pour faire autre chose. Celui-là il doit pas être trop mal, j'ai jamais essayé encore. Celui-ci, j'ai pris un tour. Bon. Allez, on va prendre ça. C'est quoi la benne que j'ai pris déjà? Je l'ai pas, d'accord.
bah non, je l'ai pas. Tant pis. Toc, je vais réessayer. Je vais essayer celle-ci. Acheter. Ouais, celle-là, elle a fonctionné. Ouais, vous avez vu, j'ai des problèmes avec les... avec les mods que j'ai téléchargés. Ah, mais j'ai des ensileuses, j'ai une ensileuse. La classe. Je vais laisser ça après. Mon contracteur, je vais prendre, allez. Comme la benne n'est pas trop grosse, on va quand même un peu. Je vais prendre celui-là pour commencer. Je vais voir ce que c'est. Remplissage et tout ça, donc allez, alors, regardez. Je vais faire un passage en travers, deux, histoire de dégager un peu parce que les arbres ils vont gêner. Thank you.
bouge. On va aller de l'autre côté. La texture de la terre est pas terrible. Par contre, je viens de remarquer. Ça, c'est pas grave, c'est un détail. Hein. Ok, on va lancer l'autre machine. Donc ça, je vais le revendre parce que ça, je vais pas m'en servir. Garage. Tac. Ça, on va voir. Et puis ça aussi. Et puis ça aussi. Je vais acheter beaucoup plus grand. Pour l'instant, je vais laisser ça comme ça. Les tracteurs que j'ai, je vais les garder. On va aller sur le champ 2. Je sais pas ce qu'il y a dessus. On va voir ça. Sur le 2, déjà, il est pas à moi. Donc on va aller sur le 3. Ah oui, le 3. Le 4. Attendez. Qu'est-ce qu'on a comme culture? Le 4, c'est de l'orge. Voilà. Ok. Donc on va sur le 4. Donc là c'est pareil, tous les arbres qui sont là je vais les couper et je vais pouvoir agrandir le champ après. Quoique celui-là il est déjà assez grand. Je vais laisser un peu de forêt quand même pour que ça fasse un peu joli et pour faire une carte assez vide. Peut-être replanter des arbres le long des chemins. Pour que ça fasse un peu joli. Voilà. Je vais commencer comme ça. Je vais attendre que la machine se bloque avec quelque chose et après on verra comment je vais négocier tout ça. Je vais lancer le course play pour la deuxième machine. Et on va être opérationnel. Les amis. Tac, donc on était au champ 4, c'est ça. Thank you.
modifier la map hein, parce que il n'y a pas assez, assez décoré, j'allais dire. Ça manque un peu de. Il y a beaucoup d'arbres, hein, mais je vais en rajouter un peu plus. Ça passe un peu plus joli. Au niveau des passages de tracteurs, j'aime bien quand c'est bien. C'est bien joli en fait. Il y a un tracteur ici, c'est bien. D'accord. Alors là par contre, je vais défoncer un peu tôt. J'ai pas de passage pour mon tracteur. C'est pas trop bien. Là, je vais le créer. Hein. S'en sortir. Alors, on va prendre ça comment? On va prendre ça comme ça. Bah, je vais le faire là, le passage du tracteur. C'est quand on embauche des ouvriers, comme dit Danger, des ouvriers arbres. J'en fais marrer quand il a dit ça. Ok, donc bah, le passage on va le créer ici du coup. Le course play va commencer ici. Tac. Et là je vais créer le passage. Voilà. Encore un petit peu. Voilà, c'est bon. Donc là, la machine, c'est la deuxième. C'est parti. Ah non, c'est pas parti. Il faut que je voie où est-ce que c'est vendu le plus cher. L'orge. Alors, le colza, il est en hausse déjà. 1425, on va pas aller au même endroit. Hein. Ça tombe bien. À 1425, il y a deux endroits. Donc on va aller à Bijobich Créré. Je sais pas quoi. Ok, donc c'est où? C'est là. Oh, d'accord, c'est bon. Sauf que il n'y a pas de station aux alentours. Alors, on peut pas voir la map. Il
Non, il n'y a pas de station aux alentours, donc du coup, il va falloir que je passe par la ferme. Du coup. Ouais, la ferme elle est loin. Parce qu'on va carrément à l'opposé. Ah si, il y a une station. On va voir. Normalement, il y a une station. Ah, c'est pas facile là. Hein. Est-ce que la station est là? C'est pas grave. Je passerai par la ferme pour le retour. Ça fera un peu d'animation dans la ferme. C'est très bien, j'aime pas le tour. Donc là on va faire un passage dans la ferme. Donc, je ne sais pas encore comment je vais passer dans la ferme parce que je ne suis pas encore habitué. Je passe mieux. Donc, je dis de ne faut pas que je gêne tous les appareils que j'ai achetés.
de descendre parce que je sais pas où elle est la citerne. Elle est là. Donc il faudrait que je passe ici. Ok, il faut que je passe là. Je passe à droite. Ok. J'ai pas d'objet à placer, genre. Objet à placer. À part des armes ou des éoliennes et tout ça, on n'a pas de station. Il faudrait que je mette ça. Ok. Si on n'a pas le choix. Ça c'est les tracteurs qui vont rester. On peut vraiment avoir le choix de garder ce genre de tracteur pour pouvoir faire les là il faut que j'aille à droite gauche. Je me rappelle même plus où les champs. Bah non, t'as surtout qu'il y a, il faut aller tout droit. Alors par contre on est où? C'est où qu'on vend déjà? C'est pas si je vais avoir assez. Et je peux mettre une I. Voilà.
Voilà. On est bon. Bon, les amis, ben, je vais arrêter la vidéo ici. Pourquoi l'autre il patine, je vais aller voir ça tout de suite. Lui, il est pas dans le bon sens. Hop. Ok, donc il patine parce que il est dans la larme. Ça, c'est normal. Il est à 100%. Attends, attends. J'en ai pas assez, je vais arrêter la vidéo. Qu'est-ce qu'il fait? Ok les amis, donc je vais arrêter la vidéo ici et ça sera le premier épisode sur cette nouvelle carrière suivie sur la ferme de l'extrême, on va dire ça comme ça, sur la production de l'extrême, on va dire. Pour l'instant, on va garder cette map. Si j'en trouve une plus grande, on changera bien sûr. Je transformerai cette carrière suivie en autre chose, mais pour l'instant c'est comme ça. Donc voilà les amis, allez je vous dis à la prochaine et ciao, bye bye.